C'est quoi? Qu'est-ce mon frère. Je vous aime voir avec lui. Qu'est-ce qui se passe? Les gars, c'est que j'ai envie de parler. On y va. Je veux parler. Ok. Mais ça ne sort pas. Eh oui. Il n'y a pas le courage. Ah bon? Il n'y a pas. C'est ma déception. Ça dit, parfois, je veux même aller déterrer mon père là où il est enterré là. Ah. Lui demander que papa. Donc c'est que déterrer mes parents, mon père et ma mère. Okay. Lui demander que papa, maman. Donc vous n'avez pas aussi vu les États-Unis ou bien la France ou bien les pays de la liberté là où tu peux parler ce que tu ce que tu veux, ce que tu ressens. On ne te tape pas. Donc vous n'avez vu qu'ici là pour venir m'accoucher. Mais tu penses encore que si on te voit en train de déterrer les tombes, on va encore t'attraper que oh, profanation ou oh, sorcellerie ou oh, ceci ou oh, patati ou oh, patata. Tu vas lire là, mon ami. Ça dit parfois tu sais le cœur. Ah bon, hein? Quand tu entends qu'on a augmenté 100 francs sur l'essence, quand tu penses que toi-même, avec les 630 même que tu carburais même. Je te dis que... Tu ne t'en sortais pas. Tu entends encore, on augmente encore 100 francs. Tu veux parler. C'est pitiable. Allah. Tu ouvres les yeux comme ça là. Tu vois ta fille là en train de pleurer. Papa, j'ai faim. Tu dis merde. God, why now? De mon vivant, ma fille pleure qu'elle a faim. Je te dis que... Si je ne suis plus là, elle va devenir quoi? Point d'interro. Alors, tu sais le cœur, tu supportes. Tu as espoir que demain, ça va aller. Ah bon, hein? On vous dit même qu'on a augmenté 145 francs sur le gasoil. Tu vas dire quoi? Tu vas seulement accepter. Tu sais le cœur, tu sais le cœur, tu sais le cœur. Franchement, c'est pitiable. Après, on te dit que le litre d'huile est à 1500. Le Seigneur. Tu veux parler? Tu as envie de dire non. Quand tu penses que si tu parles, tu regardes comme ça là, tu as l'impression qu'il y a un rétroviseur devant toi qui te montre une Prado noire par derrière, vitre fumée. Tu dis, alors qu'il n'y a même pas de rétroviseur, mon frère. Tu supportes, tu dis que je reste en prière, peut-être demain ça va aller. Tu supportes, tu dis que je ne parle pas moi. Tu supportes, tu supportes. Ta femme va au marché. Tu lui donnes 6000 rations. Tu es couché au canapé, juste tu veux un peu te reposer. On revient te dire qu'on n'a pas acheté lui, l'argent n'a pas suffi. Tu dis merde. Tu restes comme ça. Tu vas lire ton nez, mon frère. On ne pleure pas. On dit qu'on a augmenté 5,2% sur les salaires. Vous parlez quoi? Entre temps, est-ce que le transport aussi ne doit pas aussi augmenter? Parce que c'est automatique. Si le carburant s'augmente, le transport va aussi s'augmenter. Ça, c'est clair. Et les gars sont, ce qui est même marrant, c'est que les gars sont là en train de nous exciter. Comme Franco, non. Non, il faut parler. Il faut lire les commentaires. Il faut parler, il faut parler. Okay. La question que je me pose souvent, c'est que comment quelqu'un a un téléphone Android? C'est que si tu peux mettre un commentaire sur Facebook, c'est que tu as un téléphone Android. Quand on parle d'un téléphone Android, c'est que c'est un téléphone qui a l'œil. Quoi? Qui a la caméra. Mais il dit que Franco, il faut parler. Pourtant, son téléphone a la caméra. Je te dis que... C'est-à-dire que lui-même, il peut parler. Non, gars. En vrai? Les gars, parlez, vous nous donnez, on partage seulement, non? Ah bon? Qu'on vous dit seulement que Franco, il faut parler. Les influenceurs camerounais, il faut parler. Oh, patati patati. Tu restes dans ta chambre, sur ton écran. Il faut parler. Il faut parler. Parle, tu nous envoies. On publie, on voit ton image. Comme tu parles aussi. Jésus! Parce que c'est trop facile de parler. Le père, pardon, aidez-les. Moi, on veut être aussi comme la France. Comment? Comment ça? Que tu te lèves comme ça, tu dis ce que tu penses de ton président. Ah bon? Tu n'as pas peur que...
Nous, on veut être aussi un peu comme les autres pays qu'on voit là, que chacun dit ce qu'il pense, chacun dit ce qu'il veut. Tu vas lire, mon ami. On va faire comment? On ne peut que pleurer. On ne peut que pleurer. D'autres ont même dit que Dieu n'existe pas. Où Dieu existe où? Ah, moi, depuis que je suis né, on m'a dit que Dieu existe. Et moi, je sais que j'ai la vie. C'est Dieu qui me donne cette vie. Ah, d'autres qui nous disent que Dieu n'existe pas, qu'on ne doit pas rester attendre Dieu. Hey! On va alors attendre qui? Point d'interro, garçon. Mais s'il vous plaît, sachez seulement que nous sommes aussi les enfants des gens. C'est vrai, je te dis que... Pardon, en faisant tout, pensez au moins aux enfants des gens. Pensez quand même que les enfants des gens souffrent. Je n'ai pas parlé, hein. Depuis là, je n'ai pas moi parlé. Donc, je disais seulement que je ne veux pas moi parler. On ne parle pas. On ne parle pas. Comme qui avait dit qu'on ne pleure pas. On ne parle pas. L'année prochaine, on va encore augmenter encore le carburant. On va baisser. Mais ça augmente seulement, ça ne baisse pas. Mais on attend. On a espoir qu'un matin, tout ça va baisser. On a espoir. Ah bon? Nous sommes des vrais fidèles, des vrais croyants. On croit. Jésus. Multiplie les églises. Nous, on va croire qu'un jour, tout va changer. Multipliez les églises. Même si vous roulez en Oum, nous on prend les motos, on vient cotiser, on vient faire les dons. Vous roulez en Oum, nous on prie, on dort affamé. Vous roulez avec des grosses Prado. Créez les églises. On va faire comment? On va faire comment? On va faire comment? On va faire comment? S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.